Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer à votre PS4 ou PS5 sur le Quest 2 ou le Quest 3. Vous pouvez utiliser votre Quest 2 ou Quest 3 pour jouer à votre PS4 ou PS5 sur un écran géant, et après l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est l'une des expériences les plus plaisantes que j'ai pu faire sur mon casque VR Nomad. En plus de pouvoir placer votre jeu sur un grand écran où vous voulez, il est possible d'utiliser d'autres applications 2D simultanément, et de ce fait, vous pouvez par exemple jouer sur votre PS5 en regardant une vidéo sur YouTube grâce à un second écran sur le côté droit, et discuter avec vos amis sur Discord grâce à un troisième écran. Les lentilles du Quest 3 et la résolution élevée de ces écrans offrent une qualité visuelle très impressionnante, et je suis certain que vous n'utiliserez plus votre télévision après avoir joué à votre PS4 ou PS5 sur votre Quest 3. Alors avant de vous montrer comment faire, je tiens à préciser que cette méthode fonctionne uniquement avec les jeux en VR et vous ne pourrez pas l'utiliser pour jouer à des expériences en réalité virtuelle compatibles avec le PSVR 2. L'avantage est que c'est vraiment ultra simple de connecter votre console de jeu à votre MetaQuest car vous n'avez pas besoin d'utiliser de PC ni de smartphone. Tout ce dont vous avez besoin est d'une connexion à internet, votre Quest 2 ou Quest 3 et votre console de jeu. Alors premièrement, vous devez aller sur le store de Meta et chercher l'application Mobile VR Station puis l'installer. Ensuite, vous vous rendez sur le browser et dans la barre de recherche, vous tapez PS App APK puis vous allez sur le premier site. Une fois sur la page d'accueil, vous sélectionnez Obtenir la dernière version puis vous appuyez sur le bouton Télécharger. Ensuite, vous retournez sur le menu d'accueil de Meta, vous lancez l'application Mobile VR Station, vous allez dans Configuration Wizard, Show All Options, Configure Scooped Storage, Step 1 Request Access puis vous appuyez sur Quest 3 dans le menu qui s'ouvre et vous cliquez sur Downloads. Là, vous cherchez l'application PS App, vous sélectionnez les 4 petites flèches au-dessus à droite et vous suivez le processus d'installation. Une fois terminé, vous retournez sur votre bibliothèque d'applications, vous ouvrez le menu déroulant au-dessus à droite et vous allez dans Sources inconnues. Là, vous devrez retrouver l'application PlayStation App et une fois lancé, vous allez devoir vous connecter à votre compte PlayStation en rentrant votre mot de passe et votre adresse mail. Une fois terminé, vous retournez sur le menu des applications MetaQuest, vous lancez le browser et dans la barre de recherche, vous tapez PS Remote Play APK et vous vous rendez sur le premier site. Comme on l'a fait pour la précédente application, on va devoir passer par les mêmes étapes afin de l'installer sur notre casque et donc il faut appuyer sur le bouton Obtenir la dernière version puis télécharger. Une fois le chargement terminé, vous retournez sur l'application Mobile VR Station via le menu d'accueil, vous allez dans Configuration Wizard, Show All Options, Configure Scooped Storage, Step 1 Request Access et vous sélectionnez Quest 3 au-dessus à gauche puis vous allez dans Downloads. Encore une fois, vous cherchez l'application que vous venez de télécharger qui est le PS Remote Play et une fois trouvé, vous cliquez sur les 4 petites flèches au-dessus à droite et vous suivez le processus d'installation. Une fois le chargement terminé, vous retournez sur le menu d'accueil, vous allez dans Sources inconnues via le menu déroulant au-dessus à droite et vous lancez le PS Remote Play. Là, vous appuyez sur Connexion à PSN, Confirmer et Continuer, vous sélectionnez PS4 ou PS5 et sur votre console de jeu, vous allez devoir chercher un code pour la connecter à votre Quest 3. Pour cela, vous allez dans Paramètres, vous ouvrez l'onglet Paramètres de connexion de la lecture à distance, vous vérifiez que l'option Activer la lecture à distance est bien cochée, vous appuyez sur Ajouter un périphérique et là, vous aurez un code à 8 chiffres que vous allez devoir recopier sur l'application PS Remote Play lancée sur votre casque. Une fois que vous l'avez tapé, vous cliquez sur le bouton associer et si tout s'est bien passé, votre PlayStation devrait s'afficher dans votre Quest 3. Maintenant, pour jouer, vous devez connecter votre manette à votre casque et pour cela, vous maintenez le bouton PlayStation et le bouton Share jusqu'au moment où la LED commence à clignoter. Vous vous rendez dans les paramètres, vous allez dans Appareil, Bluetooth, vous appuyez sur Appareiller, Associer un appareil, puis vous sélectionnez Wireless Controller. Une fois votre manette bien connectée, vous retournez sur l'application PS Remote Play, vous appuyez sur le bouton Changer la distance pour agrandir l'écran virtuel et vous l'ajustez en visant le bord et en l'étirant avec la gâchette latérale de la manette. Pour finir, vous appuyez sur le bouton PS4 ou PS5 au centre de l'écran et vous serez prêt à jouer. Pour ma part, j'ai été très impressionné par la qualité de retransmission de l'image de ma PS4 et j'ai été très surpris en jouant car je n'ai eu aucune latence malgré ma mauvaise connexion internet. Néanmoins, je pense qu'il est nécessaire de connecter votre console à votre routeur avec un câble Ethernet et bien évidemment, votre casque doit être connecté au même réseau que votre PlayStation. Ce qui est bien est que la prochaine fois que vous voudrez utiliser votre Quest 3 pour jouer à votre PS4 ou PS5, il suffira de lancer PS Remote Play via Source Inconnue et l'application devrait se connecter automatiquement à votre console de jeu. Néanmoins, il est très important de bien suivre chaque étape de ce tuto dans l'ordre car vous devez d'abord vous connecter à votre compte PlayStation grâce à l'application PS App et ensuite vous installer la seconde application PS Remote Play qui devrait vous connecter automatiquement à votre compte grâce à l'appli PS App. Et bien voilà les potes, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord de la chaîne qui se trouve dans la description pour rencontrer d'autres passionnés de la VR. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.